Le tawashi, c'est l'art de faire des éponges avec des vieux tissus, comme des chaussettes ou des t-shirts. Pour la base, il vous faudra une planche de 16 cm de côté. Tracez un trait à 2 cm du bord. Ensuite, quand cela est fait, demandez l'aide d'un adulte pour mettre les clous. Sur la ligne qui a été tracée, mettez les clous à 5 cm du bord. Puis, plantez-les tous les 2 cm. Ensuite, prenez une chaussette et découpez 14 bandes de 2 à 3 cm de côté. Accrochez les 7 premières bandes sur les clous. Puis, les 7 autres, mettez-les dans l'autre sens, en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, et ainsi de suite. Après, prenez 2 bandes et mettez la première dans l'autre. Serrez bien fort la dernière bande avec l'autre pour que ça tienne. Et voilà votre tawashi ou éponge japonaise. Mais on en a besoin tout le temps des éponges, pour l'école, pour les bancs, pour les tableaux. Si on allait montrer aux autres élèves comment faire. Super bonne idée. On y va? Ouais. Bonjour, moi c'est Emma. Et moi c'est Lauriane. Nous sommes ici pour vous montrer et vous expliquer ce que c'est les tawashi ou éponges japonaises. Elles sont faites à base de vieilles chaussettes propres. Pour la base, il faudrait une planche de 16 cm de côté. Ok, vas-y, essaye. Ça, c'est votre tawashi du coup pour la classe, vous l'avez fait vous-même, du coup, bah, vous pouvez être fiers de vous quand même.